Bonsoir à, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Euh, heureux de vous accueillir. On vous laisse quelques minutes pour vous installer. Euh, J'ai vu déjà nos collègues de la Guadeloupe, du Finistère, de Saint-Étienne qui nous donnaient un petit bonjour. Eh bien, prenez quelques minutes pour vous installer. On attend un petit moment avant de débuter ce soir avec Jean-Pierre Rosenweg. Voilà, voilà. Donc, on a beaucoup déjà personnes. On attend encore un petit peu, si vous permettez, une minute ou deux pour que tout le monde puisse s'installer devant son écran. Alors, ce soir, il y aura Vincent Melot qui s'occupe particulièrement de la technique et des questions. Théodore de Mascarel pour les questions et Robert Beuillezou-Poulos que vous connaissez tous bien évidemment qui sera là aussi pour recueillir vos questions et poser ses propres questions j'imagine oui très masculin ce soir hein donc on n'a oui, pas réussi bien, à trouver de collègues féminines disponibles hélas voilà Katia n'était pas euh, euh, qui était prévue pour, pour participer à ce webinaire voilà n'est pas disponible au dernier moment voilà mais ben on peut peut-être y aller Georges hein on peut y aller bon, oui, oui, Alors, on accueille avec euh, grande satisfaction, grand plaisir Jean-Pierre Rosenweg. Vous le connaissez tous, j'imagine aussi. Euh, Jean-Pierre Rosenweg est magistrat honoraire, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, membre de la CIAS, c'est la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, auteur de, du rapport de Nouveaux droits pour les enfants. Oui, dans l'intérêt de la démocratie en 2014. Le droit de l'enfant des enfants pour le nul. Très bon bouquin que j'ai acquis et je vous conseille. Euh, Qu'est-ce que je peux dire L'enfant face à la justice. Et puis vous trouverez sur son blog, on a mis le, le lien vers le blog un peu plus loin, euh, son blog qu'on trouve sur le monde.fr avec de nombreuses interventions. Je me souviens d'une très intéressante que j'ai lue il y a quelques semaines sur Outreau, l'actualité d'un fiasco judiciaire allégué. On ne va pas plus tarder. Je vais continuer en vous, vous évoquant évidemment tous les, les habituels euh, éléments qu'il faut connaître. Le webinaire est enregistré évidemment pour un en replay le lendemain. Le PDF sera également disponible en ligne, ce qui nous permettra d'avoir euh, toutes les informations et les liens euh, qui seront mis. Évidemment, vous le savez, on ne délivre pas d'attestation de formation pour ce webinaire qui est gratuit. Alors, on vous conseille, de, si nécessaire, si vous avez besoin pour votre formation, votre employeur, d'enregistrer le mail d'information de connexion et de faire une capture d'écran durant le webinaire. C'est une bonne solution pour prouver que vous avez bien assisté à ce webinaire. Et puis, vos remarques, vos questions à l'intervenant sont à écrire dans le volet discussion. Et puis, elles sont reprises par Vincent, Théodore et Robert, pour présenter en deuxième partie après l'exposé de notre intervention, de notre intervenant. Si vous voulez être lu par toutes les personnes connectées, vous cochez bien, envoyez à tout le monde dans la discussion. Comme ça, on aura toutes, on pourra tous lire vos remarques et vos questions. Je vais laisser la place à Jean-Pierre Rosenweg pour sa présentation. À vous Jean-Pierre. Merci, merci de l'invitation. <coughs> Avec d'entrée de jeu, je vous présente mes excuses pour la communication. J'aime bien parler devant un public et là, devant un écran, euh, ce n'est pas très très facile. Euh, donc c'est une communication qui n'est pas aisée, mais je vais essayer de, de faire pour le mieux. Le deuxième problème, c'est qu'effectivement sur un sujet qui est vaste, euh, la parole de l'enfant en justice euh, je dispose d'une demi-heure euh, avec des gens qui sont certes des citoyens et qui votent, mais qui sont ignares sur le plan juridique. Voilà. Donc euh, euh, il faut que j'arrive à trouver le, 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 la juste mesure. Alors c'est vrai et c'est à la fois une plaisanterie, mais c'est très sérieux. Il faut toujours dire d'où on parle. Euh, vous disiez Georges que j'étais magistrat euh, honoraire. C'est-à-dire j'ai été considéré comme trop vieux pour pouvoir continuer. Euh, mais euh, ça veut dire que comme juge pour enfants, et je n'ai fait que ça toute ma vie professionnelle, j'ai été amené à gérer des situations très concrètes. C'est le seul euh, fonctionnaire avec le commissaire de police euh, catégorie A qui est au contact direct avec la population. Ça a l'air de rien, mais ça veut dire que quand je réfléchis ou que je parle de choses, je parle de choses que j'ai connues, auxquelles j'étais confronté. Ce n'est pas une approche livresque. Euh, je suis militant associatif ça va de soi, et notamment membre du bureau du Conseil national de la protection de l'enfance, mais pour vous, psychologue, ce n'est pas inintéressant que je le précise. Euh, je suis euh, depuis peu le, le président de l'Avita, une association qui a pour objectif d'offrir dans les huit jours euh, un soutien psychologique aux enfants, euh, aux adolescents qui sont en situation difficile, notamment suicidaire ou en grande difficulté. Voilà. Et comme tous les bons produits euh, euh, qui de la France qui servent à rien en France, je suis à l'exportation. Donc, comme on me demande rien en France, je travaille pour l'UNICEF à faire des choses que j'arrive pas à faire ici en France, Algérie, Maroc, Tunisie. Voilà. Voilà un peu, ce qui veut dire quoi C'est que euh, je vais avoir un discours qui est très typé, qui est un discours juridique, qui est un discours politique au sens noble du terme, d'un praticien qui a essayé de réfléchir euh, à tout point de vue euh, sur la place de la loi, que je l'ai appliquée, je l'ai critiquée, je l'ai fait évoluer, euh, j'essaye de la populariser, euh, et, mais je suis uniquement sur ce créneau-là. D'autres termes, je détiens pas la vérité, mais une partie de la vérité. Et donc, même si je suis très péremptoire, pour convaincre, il faut quand même essayer d'être péremptoire, bien évidemment, je sais bien que mon approche n'est pas la seule approche qui explique les réalités sociales. Mais j'ai l'avantage d'être sur une vision à 180 degrés du sujet sur lequel je parle, puisque à la fois je l'ai pratiqué, je l'ai critiqué et je l'ai fait. Alors, si j'en avance un tout petit peu, Georges, euh, par rapport euh, au sujet que vous m'avez demandé de vous traiter, euh, il me semble que d'entrée de jeu, il faut faire euh, s'arrêter sur euh, des définitions, c'est-à-dire se mettre une planche commune euh, su, sous les pieds. Euh, sur deux points. D'abord, sur ce qu'est l'enfant et d'autre part, ce qu'est la parole. L'enfant, c'est a priori, et si on, on, on remonte, et j'ai pas le temps de m'y arrêter, au droit romain, c'est euh, euh, la personne qui est capa pas capable d'exprimer des choses, voire, on sait pas du tout si elle peut ressentir, mais en tout cas, euh, qui, est, qui peut pas exprimer, en tout cas, qui n'est pas fiable dans ce qu'elle peut exprimer. Donc, c'est quelqu'un qui est incapable et qui, sur le plan juridique, est assisté ou représenté, normalement, par ses représentants légaux, que sont ses parents, euh, ou la personne qui l'a euh, en charge. Notamment sur un mandat judiciaire. Voilà, donc l'enfant est un incapable et sa parole, j'ai à dire, elle est le moins qu'on puisse dire, contenue quand elle n'est pas représentée par quelqu'un d'autre, qu'il parle qui parle à sa place. Euh, J'ajoute qu'on euh, n'arrête pas de dire qu'un enfant ne peut être qu'un menteur. Et quand j'étais jeune magistrat, j'ai vu le président de la Chambre de la Famille à Bordeaux me dire, moi vivant, jamais je n'entendrai un enfant. Un enfant ne peut être que manipulé. Un enfant ne peut être que l'expression de la parole des adultes qui sont autour de lui. La vision moderne, je vais, là encore, je n'ai pas le temps de m'y arrêter. Et je fais qu'esquisser le sujet. Euh, je vous propose après un ouvrage qui vous permettra par un jeu de questions-réponses d'approfondir. La vision moderne, c'est de dire... Que l'enfant n'est pas un incapable, l'enfant est quelqu'un qui a une capacité juridique réelle, mais limitée. Limitée, mais réelle. Et en d'autres termes, il doit être capable, il peut être capable de s'exprimer. Euh, et tout ça a été consacré notamment par la Convention internationale du droit de l'enfant, qui a été ratifiée par la France, qui a été ratifiée euh, par quasiment toute la planète. Ce qui n'empêche pas de massacrer des enfants sur l'ensemble de la planète, mais j'y reviendrai à la fin. Mais à part les États-Unis, tous les pays du monde ont signé et ratifié la Convention internationale de l'enfant, qui a cette caractéristique, outre d'être un traité qui lie les États, euh, un texte auquel on peut se référer devant n'importe quel tribunal de France ou de Navarre, mais c'est un texte surtout qui est porteur d'une vision moderne de l'enfant. L'enfant, dans la démarche de Françoise Dolto, est présenté comme étant une personne qui a des ressentis, qui a des affects et qui exprime. Un point de vue euh, et qui peut exprimer un point de vue euh, tout à fait euh, légitime. Donc, l'enfant est une personne et c'est consacré par les articles 12 à 15 de la Convention internationale. Et au risque de choquer, l'enfant euh, se voit reconnaître la liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté d'opinion, la liberté d'intervenir dans toutes les situations qui le, euh, qui le concernent. On verra avec quelle portée tout à l'heure. Et euh, il peut aussi, euh, j'allais dire, se regrouper euh, et créer des associations. Bon, bref. Les articles 12 à 15 reconnaissent l'enfant comme étant une personne. Donc, en contradiction avec l'enfance, euh, cet enfant qui était incapable d'exprimer quoi que ce soit. Deuxième, euh, euh, donc il faut avoir ça à la tête, et j'oubliais à l'esprit, et j'oubliais un détail en voulant aller trop vite, qu'au sens juridique du terme, au sens politique du terme, lorsqu'on parle d'un enfant, on parle d'une personne qui a entre 0 et 18 ans. Pour Tintin, l'enfance va de 7 à 77 ans. Pour les sociologues, l'enfance va de 0 à 15 ans. À partir de 15 ans jusqu'à 25, on est dans la jeunesse. Pour le juriste, pour le citoyen, pour le républicain, puisque la norme juridique est, est, est supérieure à toutes les autres normes, y compris la norme psychiatrique, psychologique. J'ai dit souvent en plaisantant que la République l'emporte sur Freud. Quand même, pas oublier ce petit détail. Quand je parle d'enfant, je parle de la personne de 0 à 18 ans. Bien évidemment, le, le parcours de 0 à 18 ans est séquencé. 0 à 7, 7 à 10, 10 à 15, 10 à 13, 13 à 16, 16 à 18. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour vous montrer que la question est, est, est complexe, mais au moins, elle a un point commun. Euh, avant 18 ans, on est un enfant, après 18 ans, on est un adulte. Point barre. Deuxièmement, la parole. Euh, là, je vais être plus rapide, mais parce que je pense que je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail, vous savez aussi bien que moi que la parole, ce n'est pas seulement ce qu'on dit. La parole, c'est ce qu'on exprime au sens large du terme. Et malheureusement, on le sait, en matière judiciaire, à travers les légistes, le corps de la personne victime parle. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas une série télévisée qui commence par une séquence sur le dépeçage euh, par euh, le magistrat autopsie, euh, le, euh, le médecin autopsieur de l'intéressé. Que dit le corps? Que dit le corps sur le crime dont il a été victime Donc, ce que je veux dire, de toutes les mises à part, c'est que le comportement d'un enfant, ses silences, ses attitudes, est-ce qu'il est proche de tel ou tel Moi, je vais par exemple, comme magistrat, j'allais toujours, toujours chercher les, 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 mes clients, entre guillemets, dans la salle d'attente pour voir comment ils étaient organisés. Et je les laissais s'organiser comme ils voulaient dans mon bureau. Ça parle. Quand je vois un gamin qui s'assoit, par exemple, sur les deux accoudoirs des deux fauteuils où sont installés ses parents et qui prend par la main gauche sa mère et par la main droite sa mère en étant assis lui-même sur les deux accoudoirs, il me dit je ne veux pas être séparé de mon père et de ma mère Je n'ai pas besoin oui. de lui brûler la plante des pieds pour comprendre, pour qu'il m'exprime son point de vue, et moi pour le comprendre, puisque je suis le plus intelligent des magistrats. Ça, c'est un premier point. La parole, ce n'est pas que des mots. Deuxièmement, on ne peut pas négliger, c'est tout le débat sur les violences sexuelles, notamment. Pour les adultes, mais aussi pour les plus, plus jeunes, la question de l'emprise. Euh, la parole n'est pas toujours libre. Il euh, y, 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 y a le dit, le non-dit, la difficulté de s'exprimer. Et l'emprise est un, un phénomène, euh, bien entendu, euh, qu'on connaissait de longue date, mais qu'on comprend mieux depuis quelques années. Euh, comment, euh, parlons pas de Masnef et d'autres, mais comment euh, des prédateurs ont pu, j'allais dire, mettre sous emprise un certain nombre de personnes. Euh, dernier mmh. élément, il faut recueillir la parole de l'enfant. C'est une de mes conclusions, je dis dans en l'entame, comme ça au moins je ne l'oublierai pas. Il faut recueillir la parole de l'enfant, plus qu'on a pu le faire, mieux qu'on a pu le faire, il faut s'organiser pour, mais il ne faut pas être à genoux devant la parole de l'enfant. Il faut, mmh. j'allais dire, avoir un point de vue critique sur la point de vue de l'enfant. En tout cas, le magistrat que je suis ne dira pas, comme certains magistrats, euh, que par définition, quand un enfant parle, il dit la vérité. Il dit sa vérité à nous de savoir interpréter sa vérité. On n'a pas été bon dans l'affaire d'Outreau, on, on a été meilleur dans l'affaire d'Angers, pour vous dire. Mais on, on aurait dû à Outreau être plus critique au sens noble du terme, car dans l'affaire d'Outreau, euh, les gosses ont dit que la vérité, c'est qu'ils avaient été abusés, ils avaient été violentés, bien évidemment, mais les choses étaient un peu plus compliquées que ce qu'elles... Ce qu'il disait, parce que pour le coup là, il reprenait sur certains actes, là, il reprenait le discours des adultes qui étaient autour d'eux. Voilà. J'en ai terminé avec les définitions. Deux éléments de quelques réflexions sur le contexte, Georges. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, on est en train de prendre conscience actuellement. Ça, des éléments contextuels. On est en train de prendre conscience aujourd'hui ce qui fait l'acuité du sujet, de l'ampleur et de l'importance. Des violences qui sont faites aux enfants, notamment sexuelles. Je n'ai pas, pas le temps là pour refaire l'histoire des 40 dernières années, mais elle est éclairante sur la prise de conscience par la société française des violences infligées aux enfants. Euh, on s'est réveillé, la France s'est réveillée en 1981 avec le rapport de Pierre Strauss. 81, c'est hier. 40 ans, c'est hier, au regard de, euh, de, de, de l'histoire. Euh, Jusqu'à présent, la France estimait qu'elle euh, a un siège au Conseil de, de sécurité, elle traite bien ses enfants. Enfin, bref, la France n'est pas contestée, n'est pas contestable. Elle s'est aperçue que ce n'était pas aussi simple. Et aujourd'hui, je vous passe pas les étapes hein, je n'ai pas le temps mais aujourd'hui elle est en train de s'apercevoir que ce n'est pas quelques enfants qui sont victimes d'inceste euh, mais c'est 5,5 euh, millions et demi de personnes qui prétendent à juste titre euh, de leur point de vue avoir été victimes de violences sexuelles notamment en famille le temps de leur enfance 5,5 millions et demi de personnes euh, c'est quand même euh, une sacrée, un sacré pourcentage de la population française c'est pas une paille et deuxièmement nous sommes en train de réaliser L'Église de France en sait quelque chose, pour faire référence à ce que disait Georges tout à l'heure sur ma participation aux travaux de la L'Église de France et bien d'autres sont en train de réaliser l'impact des violences supportées très jeunes par des enfants sur l'ensemble du cours de leur vie. Quand vous êtes comme moi, avec euh, euh, mon ami Garapon, à recevoir un jour un monsieur qui arrive euh, euh, à 75 ans avec son baluchon sur l'épaule, fier comme artaban, et qui, au bout d'une heure et demie, après nous avoir restitué ce qu'il avait vécu quand il avait 7 ou 10 ans, est en larmes, vous apercevez que quelque part, vous vous apercevez, vous comprenez concrètement combien certains attouchements, certaines marques qui ont été infligées à des enfants peuvent avoir un impact sur l'ensemble de leur vie, même s'il si a réussi, il est industriel, même s'il a réussi, il est marié, même s'il a réussi à aller des enfants, il porte les, les, les stigmates, entre guillemets, de, de cette violence. Ça, on est en train d'en prendre conscience, c'est un phénomène tout à fait récent. Dans quelques années, on dira ça va de soi, c'est banal. Non, 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 on est en train seulement d'en prendre conscience. Alors, la difficulté, deuxièmement, elle, euh, elle tient aussi euh, au fait que ce n'est pas évident de recevoir et de prendre en compte la parole des victimes en général. Et a fortiori, lorsqu'ils sont des enfants, c'était euh, le fruit de la royauté que de, faire que le, de passer d'une justice privée à une justice publique. La justice est, au, est rendue au nom de l'État, au nom de la royauté, au nom de la République aujourd'hui. Et les victimes en sont exclues. elles est au fond de la salle. On fait venir éventuellement la victime pour qu'elle dise ce qu'elle a vécu. Puis après, madame, monsieur, allez vous asseoir. Et on va s'intéresser, et, et bien sûr, euh, les gens le vivent très très mal, on va s'intéresser pendant une heure, plusieurs jours, euh, à l'auteur et non plus à la victime. Donc c'est difficile de prendre en compte la parole du victime, à fortiori lorsqu'il s'agit de femmes, parce que les femmes ne sont que des menteuses, et à fortiori lorsqu'il s'agit d'enfants et de jeunes enfants. Femmes, victimes, enfants, tout ça fait que la parole n'est pas a priori crédible euh, ni audible. De Dernier élément. Euh, l'impact négatif de, de l'affaire Doutreau. Pour, faire, pour, pour aller très très vite, euh, qui a décrédibilisé tous les travaux, qu'on les efforts que nous avions faits euh, pour essayer de mieux prendre en compte la parole d'enfant, non pas la prendre en compte en se mettant à genoux devant cette parole, en ayant un point de vue critique, mais quelque part ou trop nous a décrédibilisé. Et on sait tous, tous les gens qui participent de l'appareil judiciaire disent qu'à l'heure actuelle, euh, le parole contre parole euh, euh, se résout euh, plutôt contre les victimes que contre euh, la personne qui est accusée. Bien entendu, il ne s'agit pas de condamner quelqu'un sur la base de simples accusations, mais il s'agit d'avoir un débat équilibré. Voilà les éléments de contexte, si on peut avancer, Georges. Euh, maintenant, l'actualité juridique, euh, qui est faite de ce que j'appelle des sincérités successives et parfois des erreurs. On croit bien faire et on fait des conneries. L'exemple typique, euh, c'est la loi dite euh, la loi Madure, la loi Sciapa. Euh, Souvenez-vous de cette histoire, de ces deux histoires euh, à Nanterre et à Melun, je crois, euh, où deux gamines qui avaient 11 ans euh, sont parties vierges le matin de chez elles pour ne plus l'être le soir, l'une pour avoir croisé un monsieur de 28 ans, l'autre a croisé un monsieur de 20 ans. Euh, et euh, on a vu à Nanterre le parquet euh, saisir directement le tribunal correctionnel et non pas saisir le juge d'instruction pour le viol euh, par emprise euh, qui avait pu supporter cette gamine euh, dans l'intérêt de la protéger. Il préférait s'assurer une condamnation devant le tribunal correctionnel plutôt que de prendre le risque devant la cour d'assises. Et il n'y a pas tort, puisque quelques mois plus tard, devant la cour d'assises de Melun, un monsieur qui avait infligé des relations sexuelles à une gamine de 11 ans s'est vu acquitté du fait de viol. Il n'y avait pas la preuve que la gamine n'avait pas été consentante. Comment une gamine de 11 ans peut être estimée par des jurés populaires, hein pas par des magistrats, par des jurés populaires. Je rappelle que les jurés populaires sont majoritaires à la cour d'assises. Donc, les jurés populaires ont estimé qu'une gamine de 11 ans pourrait avoir séduit un type de 20 ans. Enfin, on marche sur la tête, mais la loi le permettait. Et donc, comme en plus, à Melun, le président de la cour d'assises avait oublié de poser la question subsidiaire de l'atteinte sexuelle, le type il est sorti de la cour d'assises avec quasiment les félicitations du jury. Donc, Mme Siappa a dit, moi vivante, ça ne pourra plus se produire. Et on va voter une loi dans laquelle on va poser pour principe qu'il y a une présomption de non-consentement avant. Certains avancent l'âge de 13 ans, finalement, le président de la République est intervenu avant l'âge de 15 ans. Sauf qu'on vient dire que c'est une présomption relative, c'est-à-dire qu'on pourra toujours essayer de prouver le contraire. Résultat, résultat concret, c'est passé ce qui devait se passer. Quelques temps plus tard, à Versailles, un type est venu dire, enfin des pompiers en l'espèce, sont venus dire. Que cette gamine euh, qui avait moins de 15 ans, eh bien, finalement, euh, elle n'était pas si opposée que ça à la relation sexuelle qu'on voulait lui imposer. Donc, le débat sur euh, la parole de l'enfant est parfois utilisé pour protéger, j'allais dire, des prédateurs. L'erreur politique, et heureusement, elle a été réparée en 2022, c'est de quitter le débat sur le consentement. On n'en a rien à cirer que la gamine ait dit oui et qu'elle ait dit non, qu'elle elle, n'ait pas résisté ou qu'elle ait résisté. Le fait. Euh, qui doit être punissable, c'est pour quelqu'un qui a plus de 18 ans d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui a moins de 15 ans. C'est trois faits objectifs. Plus de 18 pour l'un, moins de 15 pour l'autre, et une relation sexuelle, on coupe court au débat sur le consentement. Donc, vous voyez qu'on peut aussi s'organiser sur le plan juridique pour, j'allais dire, euh, éviter les aléas, des aléas judiciaires. Alors en matière civile, je viens de le traiter en matière pénale, mais en matière civile, l'actualité, c'est la, la parole de l'enfant, dans les, notamment dans les séparations parentales. Et là, c'est pour illustrer le propos que j'avais sur sincérité successive. On voit un jour, 1987, venir dire que l'enfant qui le souhaite peut être entendu en justice dans la séparation. On consacre même le droit en 2007 de l'enfant en danger d'être entendu par le juge. Et puis, quelques semaines plus tard, quelques temps plus tard, en 2016 notamment, on vote une loi par le divorce, par dossier commun devant le notaire, ce qui fait que l'enfant est squeezé. C'est les deux parents qui décident de séparer, de s'organiser sur la séparation. Et ils se doivent de dire quand même... À leur enfant, tu sais, Paul, si tu n'es pas content sur la décision de papa-maman de se séparer, tu peux saisir le juge. Vous imaginez des parents qui sont oui. en pleine, en plein conflit, venir informer leur enfant de, leur, de, de du droit qu'il a d'être entendu en justice. Voilà, tout ça, je ne peux pas entrer dans les détails parce que je vois que j'ai déjà pris, pris beaucoup de temps, mais il faut vous dire que euh, quasiment tous les jours, enfin, c'est une image, bien, bien évidemment, on croise le débat sur la parole de l'enfant. Notamment à travers le consentement de l'enfant euh, dans l'actualité juridique. Si on peut avancer, Georges Alors, pour maintenant resserrer sur le sujet qui est le nôtre, sur la justice, pas sur la loi, sur la justice, puisque euh, euh, la justice est là pour appliquer la loi à une situation très précise. Euh, vous reverrez ça dans le petit bouquin que je vous propose après de, de consulter, mais. La justice assure, quand vous y regardez bien, quatre grandes fonctions aux enfants, quatre grandes missions aux enfants, ou les garanties, ces missions. Et dans chacune d'entre elles, l'enfant va, j'ai dire, potentiellement pouvoir, sinon devoir, sinon avoir le droit de s'exprimer. La première fonction que la justice garantit à tout enfant, c'est d'avoir un statut juridique clair, c'est d'avoir un nom, un prénom d'avoir des personnes qui exercent euh, le, euh, une autorité sur lui, c'est-à-dire qui le protège, euh, qui l'éduque, euh, qui est de la... alors ça passe par des questions juridiques que je ne peux pas là encore aborder dans le détail, mais de la filiation, du lien de filiation euh, qui peut correspondre au lien biologique, mais qui peut ne pas correspondre au lien biologique, du lien de filiation découle euh, la responsabilité parentale, quoique dans la loi on ne parle pas de responsabilité mais d'autorité. Euh, découle la responsabilité parentale. Euh, s'il y a euh, deux parents, ils exercent conjointement la responsabilité parentale. S'il n'y a seulement qu'un parent euh, qui est, euh, établit ce lien de filiation, à lui tout seul, il exerce euh, l'autorité parentale. Et puis s'il y a conflit, euh, et ben, notamment conflit entre les deux parents ou conflit entre les parents et les grands-parents, ben, ça va être le rôle, là encore, de la justice de garantir qui exerce les responsabilités fondamentales sur l'enfant, c'est-à-dire lui garantir le droit. D'être protégé, le droit d'être éduqué. Ben, tout ça, c'est une compétence du tribunal judiciaire et d'un magistrat qui s'appelle le juge aux affaires familiales. C'est le grand magistrat, celui qui s'occupe, euh, j'allais dire, des questions fondamentales euh, concernant les enfants. Et puis il y a un deuxième, une deuxième juridiction qui intervient, c'est le tribunal pour enfants, et notamment le juge des enfants. Il y a aussi le procureur de la République, j'y reviendrai dans quelques instants, euh, qui, qui intervient. Le rôle du tribunal pour enfants, lui, c'est de garantir à tous les enfants d'avoir de bons parents des parents qui exercent bien l'autorité parentale, l'autorité parentale étant une somme d'attributs euh, qui, juridiques qui vise à garantir le droit à l'éducation, le droit à la protection des enfants. Je devrais dire d'abord droit à protection et droit à l'éducation ensuite. Il s'avère qu'un certain nombre de parents se trouvent en difficulté pour exercer leurs responsabilités et il faut les étayer, les accompagner, les soutenir, leur permettre, dans l'intérêt de l'enfant, d'exercer leurs responsabilités. Ça va être la mission du juge des enfants. Et bien évidemment, l'enfant va avoir euh, son mot à dire, sa place à dire, sa place à tenir. Pour dire les choses, euh, très, puisque je suis obligé d'aller très très vite, ça ne va pas de soi. Euh, la loi du 7 février 2022, donc c'est hier, a été obligée de venir dire que tout juge pour enfants qui envisageait de confier un enfant à quelqu'un d'autre que ses parents devait entendre l'enfant. C'est extraordinaire qu'il faille, au 21e siècle, venir dire... Que le juge se doit d'entendre l'enfant qui est concerné. Ça me paraissait, enfin bon, j'allais dire que pas besoin de dire la loi pour que ça me, paraisse, ça me paraissait, quand j'étais juge pour enfants, aller de soi. Eh bien, si aujourd'hui, en 2022, le législateur est obligé de le dire, c'est que ça ne se fait pas partout. Donc il y a des juges qui peuvent confier des enfants à des institutions ou à des personnes sans les entendre. Vous voyez qu'on est loin encore du droit de l'enfant euh, concret, du droit, euh, de la reconnaissance concrète du droit de l'enfant est entendu, puisqu'il faut que la loi repasse par là. Troisième point, Troisième euh, mission et troisième euh, hors de juridiction. Là encore, c'est le tribunal pour enfants, mais c'est de garantir à tous les enfants, y compris les enfants délinquants, le droit à l'éducation. Et donc, là, ça va être le rôle du juge des enfants, ça va être le rôle euh, du tribunal pour enfants, ça va être éventuellement le rôle euh, de la cour d'assises. Et puis, quatrième euh, grande mission, c'est le droit de l'enfant, le droit de l'enfant, pardon, de se voir garanti le droit à justice. Notamment, c'est l'enfant qui a été victime. L'enfant qui a été victime d'infraction, il faut lui garantir le droit à la justice, ne fût-ce que pour ce que lui-même, j'allais dire, ayant été pris en compte comme victime, ne soit pas lui-même un prédateur. C'est le débat sur le racket euh, et la protection des enfants par rapport au racket. Et là, ça suppose euh, la compétence, pour le coup, c'est celle du tribunal correctionnel, c'est la compétence de la cour d'assises, et avec un droit pénal spécial et puis un droit procédural spécial. Au passage, vous avez compris que je ne fais que survoler le sujet. Les enfants, le statut juridique de l'enfant, la protection des enfants en danger, le droit à l'éducation des enfants délinquants, le droit à rendre justice aux enfants victimes, eh bien, ça fait que le quart d'un tribunal est consacré à la justice des mineurs et est amené à se poser la question euh, de manière plus ou moins ponctuelle, plus ou moins sur la durée, d'entendre l'enfant et de prendre en compte la parole de l'enfant. Au passage, c'est un point commun de toutes ces juridictions de toutes ces interventions juridiques que le procureur de la République. Le personnage le plus important aujourd'hui, et c'est un magistrat du siège qui dit ça, hein, donc euh, ce n'est pas du tout corporatiste, le magistrat le plus important, c'est le procureur de la République. C'est lui, la garde de triage, c'est lui qui euh, <coughs> veille à ce que euh, des procédures soient engagées, des procédures soient, euh, arrivent à échéance, à exécuter les décisions, etc. C'est tout le débat aujourd'hui. On verra tout à l'heure sur les questions que vous poserez, des violences intrafamiliales. Faut-il créer une nouvelle juridiction euh, sur les violences intrafamiliales ou faut-il coordonner à travers le procureur de la République les juridictions existantes C'est une des questions d'actualité qui est pendante. Voilà, j'ai essayé de vous montrer très rapidement euh, que l'intervention euh, de euh, la justice, sur le thème de l'enfant, c'était très, 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 très vaste, et que sur ces quatre axes que je viens de vous identifier, va se poser la question de l'audition de l'enfant et de la parole de l'enfant. On avance Allez-y. Oui, D'accord. Alors, un point important, j'ai esquissé, donc je vais être plus, plus rapide. Le tribunal pour enfants en tant que tel... Euh, c'est, j'ai dire, le tribunal le plus connu, celui qui est le, le mieux identifié, euh, joue euh, un rôle qui est, euh, qui est complexe. Euh, au départ, historiquement parlant, euh, le tribunal pour enfants s'occupe des enfants qui sont, comme pour reprendre l'expression moderne, en conflit avec la loi, pour ne pas dire les enfants qui sont délinquants. L'actualité euh, du sujet, c'est que depuis le... 30 septembre 2021 est entré en vigueur le Code de justice pénale des mineurs qui euh, vise, euh, dans son essence, pour ceux qui l'ont porté, à garantir plus rapidement un jugement euh, à l'encontre des jeunes qui sont tenus pour être délinquants. Euh, je pense que oui. ce n'est pas le meilleur angle à choisir. Euh, ce qui est important, c'est de garantir une réponse éducative aux enfants qui sont en conflit avec la loi. Est-ce que l'enjeu, c'est de les condamner rapidement je ne suis pas porteur de, de cette idée-là. Ce qui est important, en revanche, c'est d'intervenir rapidement. Et mon, mon raisonnement, je vais l'illustrer très concrètement. Quand on sait que beaux, beaucoup de mesures éducatives qui sont prononcées euh, par les tribunaux pour enfants, notamment euh, en matière pénale, ne sont pas exécutées, euh, à quoi ça change de condamner rapidement un jeune Ce que je dis à M. qui est la différence entre aujourd'hui, euh, avec l'ordonnance de 1945, une mesure éducative préjudicielle, c'est-à-dire avant-jugement, qui n'est pas exécutée. Quelle est la différence entre cette situation-là et demain une, juridique, une décision post-sententielle sur jugement qui n'est pas exécutée Parce ben que ni l'une ni l'autre ne sont exécutées. Est-ce que l'enjeu était de changer la loi Est-ce que l'enjeu était de garantir plus systématiquement la réponse éducative qui s'imposait On a fait un choix. Euh, je... L'objectivité veut de dire que depuis, euh, en prenant en compte ce que j'avais dit, ce que d'autres disaient, le ministère de la Justice a vu ses moyens substantiellement augmenter. La question qui est posée, c'est effectivement quelle est la partie des 3 fois 8% d'augmentation budgétaire que M. Euh, le garde des Sceaux a obtenu, M. Dupont-Moretti a obtenu, euh, en quoi euh, une partie de ces moyens ont-ils été affectés à la justice des mineurs Mais on reviendra là encore sur des questions si jamais vous en aviez. Mais la deuxième grande mission, du tribunal pour enfants, et où la parole de l'enfant va être très importante. Bien sûr, dans la délinquance juvénile, la parole est première. Il ne peut pas y avoir le moindre jugement hors la présence des jeunes. Ça doit être exceptionnel, puisque l'enjeu, c'est une démarche pédagogique. Comment faire de la pédagogie sans les intéresser? Comment faire de la pédagogie sans entendre les enfants et sans, euh, j'allais dire, euh, tenter de, 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 de travailler avec eux sur leur situation, le pourquoi du comment, etc. Donc, il va de soi que la présence de l'enfant est indispensable et la parole de l'enfant est importante. Dans l'assistance éducative, tout autant, si on se situe dans un, dans le Code civil, dans une procédure qui s'appelle l'assistance éducative à l'enfant en difficulté. Euh, dans l'analyse la, 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 moderne qu'on en fait, on est sur une démarche de protection de l'enfance. On parle moins des parents qu'on ne parle de l'enfant. Et donc l'enfant doit être associé à ces démarches. Il a le droit, vous le savez, vous ne le savez pas, de saisir le tribunal pour enfants. Euh, il, a, il doit se voir notifier les décisions, il peut être accompagné d'un avocat, il peut être accompagné de la personne de son choix. Euh, et même maintenant, euh, on est venu exiger, je l'ai dit il y a quelques instants, euh, qu'il soit entendu lorsqu'une décision importante euh, doit être prise qui le concerne. Tout ça, c'est moderne. Tout ça, ça date de 1958. Euh, euh, le tribunal pour enfants s'occupe des enfants depuis 1912, non pas 1945, comme certains le disent. Depuis 1912, et ce n'est que depuis 1958 qu'on n'attend plus qu'un enfant ait commis un délit pour se préoccuper de lui. Euh, si un enfant commet un délit, c'est qu'il est, qu est en, carence, en carence éducative. Et autant s'occuper des enfants qui sont aujourd'hui en carence éducative pour que demain, euh, ils ne soient pas délinquants. On reviendra tout à l'heure, si vous le souhaitez, sur ces questions. Troisième euh, compétence qui est en, en voie d'extinction, euh, C'est d'intervenir pour les jeunes qui, entre 18 et 21 ans, ce qu'on appelle les jeunes majeurs. Vous vous souvenez mmh. que Giscard d'Estaing arriva au pouvoir en catastrophe, en, en, à toute vitesse, à abroger, à abaisser la majorité de 21 à 18 ans, il s'est retrouvé le nombre de jeunes qui avaient entre 18 et 21 ans et qui euh, ne pouvaient pas pourvoir à leurs besoins, étaient en carence éducative, avaient besoin d'un soutien affectif, enfin j'en passe à des meilleurs, un soutien éducatif, donc on leur a permis, s'ils le souhaitent, quoi qu'étant majeur, de demander à la justice de continuer à les protéger. Euh, la justice a fini par se désengager sur le plan euh, formel de ces interventions, puis la question qui est posée d'ailleurs euh, euh, est la suivante, c'est en quoi l'âge de 21 ans a, quand, a encore un sens sociologique aujourd'hui euh, 25 ans, oui, 21 ans, non. Dernier élément, je ne m'y arrêterai pas, c'est simplement anecdotique, mais le tribunal pour enfants est là aussi pour s'occuper du bon usage des prestations familiales. On avance un petit peu je vers ma conclusion, enfin vers le cœur du sujet. Voilà, donc la question, ce contexte étant posé, mais si on ne pose pas ce contexte-là, l'ensemble de ce contexte, oui. on ne peut pas répondre à la question donc, qui est posée sur la parole de l'enfant en justice. Donc je vais encore là, esquisser les éléments de réponse et c'est sur vos questions que je reviendrai si vous le souhaitez. D'abord, il y a un problème de principe. Euh, C'était déjà implicitement dans la loi française, c'est désormais explicitement euh, dans la loi puisque euh, la Convention internationale des droits de l'enfant à laquelle je faisais allusion tout à l'heure a intégré le droit français, c'est l'article 12, l'opinion de l'enfant doit être prise en compte sur, chaque, sur tout ce qui le concerne. Ça a été intégré d'ailleurs dans l'article 371 du Code civil qui veut que euh, avant 18 ans, et pas seulement euh, la veille de ses 18 ans, euh, les parents doivent euh, prendre en considération euh, l'opinion des enfants sur toutes les décisions importantes qu'ils s'apprêtent à prendre, euh, les concernant. Euh, je prends l'exemple très concret. Mon père, un jour, me dit, est-ce que tu veux faire ta barre barbezoire J'ai dit, pour les cadeaux, oui, pour le reste, non. Bon, on a donc, euh, il m'a consulté, j'ai dit, non, on est passé à autre chose. Euh, mais euh, l'orientation scolaire, euh, j'en passe et des meilleurs, les enfants doivent être concernés. Est-ce que tu vas... Elle est en vacances chez Papy cet été, ben, ils doivent être aussi concernés. Ça ne veut pas dire, on le verra tout à l'heure, qu'il faille euh, se résoudre à l'opinion de l'enfant. C'est tout le débat sur la portée. Mais en tout état de cause, euh, je quitte le, le terrain de l'humour pour être sérieux sur toutes les questions qui le concernent. L'enfant doit être, euh, j'allais dire, euh, consulté sur ce qui le préoccupe et il est en droit d'exprimer euh, ce qu'il souhaite sur toutes les questions qui le concernent. Point barre. C'est chaud. Je prends un exemple très concret. Euh, euh, pour mon autre troisième enfant, euh, c'était l'été, ma femme lui donne le biberon, euh, il gueule comme un putois et ma femme me demande ce qui lui arrive. Je d'abord, il est en train de te dire que petit 1, le biberon est trop chaud, et petit b, le biberon n'est pas assez rempli, tu as oublié que c'est un rosen. Bien sûr, je me suis vu recevoir, si tout en était occupé, le problème ne serait pas posé. Mais ce que je veux dire en plaisantant, c'est qu'à quelques, quelques semaines, mon fils exprimait sa volonté de manger plus et de manger plus froid. Point barre. Donc sur chacune des questions qui le concernent, un enfant peut avoir un point de vue comme vous, comme moi. Deuxièmement, c'est un des enjeux modernes d'améliorer la condition du recueil de la parole de l'enfant, et je veux dire, avec des procédures qui sont des procédures professionnalisées, euh, qui ont été, euh, j'ai revalidé, et j'ai vu passer tôt une question sur la procédure Mélanie, je peux, reviendrai si vous le souhaitez, mais les policiers euh, ont fait un travail extraordinaire, et, et on ne on, on cite pas leur nom, généralement, je vais leur les donner, Carole Mariage, notamment, Thierry Théraube euh, aussi, ad hoc, ça veut dire qu'il adapté à la situation euh, donc, Thierry Théraube et Caroline Mariage, euh, qui sont deux policiers, qui ont observé le comportement des enfants, euh, euh, leur comportement des professionnels, ont mis en place une méthodologie euh, qui a pu. Euh, on a formé 800 personnes ou 1000 personnes, policiers et gendarmes, euh, au recueil de la parole de l'enfant. Désormais, il y a une procédure qui est une procédure internationale. Euh, euh, je ne peux pas entrer là encore dans les détails. Je renverrai les uns et les autres à consulter. Euh, je donnerai les, les éléments à consulter. Mais il y a désormais une méthodologie qui a été mise en place. Je prends un exemple très concret. Si vous voulez qu'un enfant ne soit pas tétanisé à l'idée d'aller au commissariat ou à la gendarmerie pour parler de ce qu'il a pu vivre, de ce qu'il a pu supporter, ben il faut que le parent qui l'accompagne soit lui-même sécurisé. Bah, il y a une solution qui est très simple. Euh, plutôt que d'amener monsieur ou madame qui accompagne l'enfant à se perdre dans les locaux de la police, à chercher, à paniquer, etc., bah, il faut le convoquer la veille. Et, et, il, et quand il aura trouvé son chemin, le lendemain, il reviendra très simplement euh, avec son enfant. Euh, autre exemple très, très concret, hein, ça, ça coûte 0 francs, 0 centimes. Hein. Euh, le choix de l'interlocuteur de l'enfant. Alors au début, on s'était dit, on va y mettre... Euh, euh, une personne d'un certain âge qui va rassurer, donc on appelait euh, le policier qui était dans les arrière-salles avec ses bretelles, en train de boire sa bière. Mais si jamais le grand-père avait participé aux actes de violence sexuelle que, que l'enfant avait supporté, c'est pas ce grand-père-là, ce policier-là qui allait j'allais dire, rassurer le gamin. Alors, on s'est dit, tiens, on va faire appel aux femmes. À femmes et enfants, ça va en soi, ça va, ça va ensemble. C'est-à-dire, si la mère a participé, la grand-mère a participé aux actes de violence, eh bien, on a Carole Mariage et Thierry Thérault ont pris une démarche qui est très simple, on va laisser l'enfant choisir. On l'accueille autour d'un coca ou d'un jus d'orange ou n'importe quoi, et, et en quelques minutes, il va choisir son interlocuteur. Et les deux autres vont se détacher très, très simplement, vont se retirer très simplement. Je ne peux pas rentrer dans les détails, est-ce que je veux dire Alors, après, plus techniquement, on a créé des salles d'audition, parfois des salles d'audition qui sont installées dans les hôpitaux, parfois c'est l'inverse. Bon, en tout cas, on a essayé de mettre en place toute une série de procédures, de démarches, j'allais dire, qui facilitent. Aux enfants, l'expression de ce qu'ils ressentent. Alors, bien sûr, il y a aussi toutes les procédures avec des instruments transitionnels. Enfin, j'en passais des meilleurs. En d'autres termes, on en est encore à rigoler de ce qu'on fait. Dans quelques, temps, on parlera, enfin, dans quelques années, on rigolera encore plus de ce qu'on fait aujourd'hui. Les choses sont en train de s'améliorer. Mais, je veux dire, on a fait de, de, de sacrés, sacrés efforts. Alors, après, une des questions qui est posée, et on va rejoindre une des questions qui était, que j'ai vu passer au passage. C'est la question de l'accompagnement. Euh, il ne suffit pas de mettre un micro sous la bouche de quelqu'un pour qu'il s'exprime bien. Il faut créer un climat autour de lui, il faut le soutenir, il faut l'accompagner. Vous, moi, quand vous êtes en difficulté, vous, comme adulte, un droit de difficulté de santé, notamment, vous n'avez pas l'hôpital sans votre femme ou son fille. Vous faites accompagner quelqu'un qui vous est cher et qui va quelque part vous soutenir, vous étayer. Vous c'est ben, pareil pour les enfants dans l'expression de leurs paroles. Donc, c'est la question de savoir jusqu'où les parents ou des responsables peuvent accompagner l'enfant dans leur expression dans les services de police ou les services de justice. Bien évidemment, la limite de l'exercice, c'est quand les parents sont les auteurs de la difficulté qu'en rencontre le jeune. J'ai oublié au passage de vous dire que un, pourtant c'est un élément essentiel que notre droit a consacré, j'aurais dû vous le dire dans le premier point, dans le principe, le droit de l'enfant de porter plainte tout seul. Euh, contrairement à ce qu'on croit, contrairement à ce que beaucoup d'adultes disent, beaucoup de, euh, contrairement à ce que beaucoup d'enfants croient, un enfant tout seul peut aller au commissariat pour dire j'ai été victime de telle ou telle chose. Mieux s'il est accompagné de son père ou de sa mère, mais difficile d'y aller accompagné de son père ou de sa mère lorsqu'il est victime d'un inceste. Ouais, bon. Mais euh, le, les policiers sont dans l'obligation euh, d'entendre l'enfant, non pas de faire une main courante, mais de faire un procès verbal de l'audition de l'enfant et de la plainte qu'il peut porter. Je refais la parenthèse que j'avais oublié d'ouvrir tout à l'heure. Donc les parents peuvent accompagner l'enfant. Il peut y avoir un administrateur ad hoc. Un administrateur ad hoc, c'est quelqu'un qui va exercer la mission de protection de l'enfant quand les parents sont incapables d'exercer cette, cette mission. Soit parce qu'ils sont tétanisés, leur gamine a été violée, ils sont tétanisés, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Ben, le procureur, le juge d'instruction vont désigner un administrateur qui va euh, exercer euh, euh, les droits des parents et les obligations des parents. Les obligations de, des parents, c'est de veiller au respect de leurs droits euh, pour les enfants. Ils ne peuvent pas les, le faire. C'est un administrateur ad hoc qui va s'en préoccuper et qui, notamment, va pouvoir désigner un avocat. L'avocat, c'est celui qui est spécialisé pour défendre les droits dans le domaine judiciaire. Voilà. Donc, il faut articuler euh, les responsabilités des parents de l'administrateur ad hoc, de l'avocat. Dernier point. Je ne vais pas vous bousculer, Jean-Pierre, mais... Je termine. Voilà. Ouais, je, je, voilà. Termine je termine pour, pour passer de questions. Dernier point. Euh, la question, c'est celle de la portée de la parole de l'enfant. Est-ce que c'est un accord ou est-ce est un avis Eh bien, ça dépend des circonstances. Dans l'immensité des cas, c'est un avis, je donne mon point de vue et tu décides. Dans quelques cas, c'est un accord. Par exemple, pas d'adoption d'un enfant avant 13 ans, euh, après 13 ans, pardon, sans l'accord de l'enfant. Euh, autre exemple euh, qui est très proche des métiers que vous exercez, vous le savez, vous ne le savez pas, mais un enfant est en droit de dire au médecin qu'il a consulté, je vous interdis, je t'interdis euh, de euh, prévenir mes parents du fait que je suis venu te voir et bien sûr, à fortiori, leur donner accès à mon dossier médical. Mon dossier médical m'appartient et je ne veux pas. Et là, ce n'est pas un avis, c'est une décision. Euh, on rira sur tout ça tout à l'heure. On avance un tout petit peu. Voilà. Donc, le dernier point que je voulais signaler, euh, c'est euh, pour être équilibré. Ce n'est pas faire du macronisme, mais c'est pour être équilibré. Euh, libérer de la parole n'exonère pas les adultes de la responsabilité. Euh, ce n'est pas parce que euh, les enfants ont des droits que nous, on n'a pas des responsabilités, notamment des responsabilités à les préparer à l'exercice de leurs droits. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Mais ils n'ont pas le droit d'injurier, ils n'ont pas droit diffamer, il faut leur apprendre, j'allais dire, j'allais dire, à se battre au-dessus de la ceinture, mais pas en dessous de la ceinture. En d'autres termes, euh, euh, la responsabilité première de protéger les enfants, euh, c'est quand même celle des adultes. Maintenant, il est évident euh, que les enfants peuvent être aussi les acteurs de leur protection. Et heureusement qu'un certain nombre d'enfants, j'allais dire. Euh, communiquent de manière directe ou indirecte sur les violences dont ils ont été les, les victimes, parce que ça nous permet effectivement euh, d'exercer nos responsabilités. Pour être très, très rapide et sur la, la, le dernier point, pour en terminer, euh, derrière se pose la question effectivement du secret professionnel. Et euh, on l'a encore vu récemment à travers les condamnations euh, de médecins. Euh, qui avait parlé sur les violences euh, faites aux enfants euh, et des limites qui sont euh, portées au secret professionnel. En fait, je pense qu'il faut raisonner autrement. On a les uns et les autres tous, y compris lorsqu'on est tenu au secret professionnel, on a une obligation de protection. Si euh, de, du contact qu'on a eu avec l'enfant, de ce qu'il nous a dit ou de ce qu'on a vu, de ce que son corps a exprimé ou de ce que la situation a exprimé, nous avons le sentiment un enfant est maltraité ou un enfant est en danger, nous avons l'obligation de tout mettre en œuvre pour faire cesser cette violence, cette maltraitance. On a l'obligation de tenter, on n'a pas l'obligation de réussir. Et donc, j'allais dire, il y a le choix des armes, soit d'agir, soit de parler. Parfois, on peut agir sans violer le secret professionnel, parfois, il n'y a pas d'autre solution que de parler. Euh, on ne peut pas être puni pénalement du fait qu'on euh, a violé le secret professionnel pour protéger quelqu'un. Alors maintenant, la question, elle est, est-ce que euh, comment euh, éviter des sanctions disciplinaires, non pas des sanctions euh, pénales euh, à l'égard de l'enfant Là, il faut que l'ordre des médecins euh, remette à jour euh, ces, ces règles. Je vous rappelle que euh, les, les, les psychologues ne sont pas tenus au secret professionnel, ils sont tenus à une obligation de, de discrétion. En d'autres termes, s'ils ne parlent pas, je vous rappelle qu aussi que le secret professionnel, c'est un interdit. Qui est puni de un an d'emprisonnement et 15 000 euros si on révèle les informations qu'on avait dans le cadre de son intervention professionnelle. On a une obligation, les uns et les autres, de respecter la confidentialité des informations recueillies et de respecter la vie privée des gens. Mais on a tous, et je vais terminer avec ça, on a tous l'obligation, j'allais dire, euh, de protéger la personne qui est en danger, qu'il s'exprime, enfin, que cette personne l'ait exprimée de manière explicite ou implicite, et s'agissant des enfants, on n'a pas euh, à attendre qu'ils nous autorisent de les protéger. Euh, on se doit de les protéger. Voilà. Libérer la parole des enfants, ça n'exonère pas de nos responsabilités. Je suis désolé euh, d'avoir euh, finalement euh, fait ce que je voulais pas faire. Je déteste parler à un écran. Ça me fait perdre mes moyens. Donc j'espère quand même vous avoir fait passer l'essentiel. Je n'ai pas eu l'occasion de regarder dans le détail les questions, j'ai vu qu'il y avait beaucoup. Il y en beaucoup, La dernière chose que je vous dirais, ouais. c'est si vous ennuyez, euh, et c'est Georges Cognac qui avait insisté pour que je le fasse, vous pouvez aller lire mes blogs si ça vous intéresse. Mais ouais. surtout, signer la pétition que j'ai lancée euh, sur les enfants ukrainiens qui sont déportés pour être russifiés. Je pense qu'on ne peut pas militer sur les droits des enfants et ne pas laisser faire ce génocide sans réagir. Bien entendu, il ne faut pas être euh, utopique. Euh, C'est une goutte d'eau dans le combat qui, 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 va, qui se mène et qui va se mener, mais si on ne réagit pas, euh, le génocide pourra continuer. Voilà, je suis très rapide là encore. Non, non, c'est très, très bien. Vous avez bien développé, bien développé, pas assez évidemment, mais c'était, on a bien aimé vous écouter. Évidemment, on invite nos, les participants à aller voir cette pétition. Ils seront en bonne compagnie. J'ai vu pas mal de gens qui ont signé. Et voilà. Donc, on invite tout le monde. Est-ce que Vincent, Théodore, Robert, vous avez des questions des Je vous propose s'il sont... y a plusieurs questions de les regrouper, comme ça, ça m'évitera de oui, faire. Des oui, oui, c'est ce qu'ils, c'est ce qu'ils veulent faire, j'imagine. On y va par Vincent. Ah ben c'est une intervention qui méritait une journée. Hein. Je suis désolé, ben ils oui, vont se bien pouvoir gagner. Ça, ça a été assez long. Ouais, pas fait. de ma faute. Hein. Non, non, n'est pas de ma faute. Alors, rapidement, on... va vas-y, rapidement. Ah va Ouais, bah, il y avait a... des questions qui étaient plus techniques euh, et, et des questions plus autour de l'enfant euh, qui, qui revenaient. Euh, question autour de l'enfant, qu'est-ce que vous pensez de la désignation comme co-victime des enfants exposés à des situations de violence conjugale Je ne dirais pas comme co-victime, je dirais comme victime, euh, comme victime. La mère est victime, enfin la mère, le conjoint et souvent la mère est victime de violence l'enfant n'est pas co-victime des violences faites à sa mère, c'est que la, vi la, vi la violence faite à sa mère est une violence pour lui. Il n'est pas co-victime, il est victime. Mm -hmm. Et effectivement, c'est une, une dimension qu'il faut, prendre, qu faut prendre, prendre en considération, peut-être plus qu'on a pu le faire dans oui. le passé. Moi, je pars du principe, Alors, je ne vais pas battre ma coupe, mais je vais préciser ma pensée, j'ai toujours dit que ce n'est pas parce que deux parents divorcent qu'obligatoirement, le père ou la mère sont incapables d'exercer leurs responsabilités. Il y a un échec du couple conjugal, il n'y a pas nécessairement échec du couple parental. Donc, on ne va pas déchoir l'un parce que le couple s'est cassé la gueule. Mais en revanche, lorsqu'il y a des violences de l'un sur l'autre, ça veut dire qu'il y a un manque de respect de l'un sur l'autre. L'homme qui ne respecte pas sa femme, je ne vois pas comment il va respecter ses gosses. C'est mmh. pour ça que, que lorsque les parlementaires m'ont interrogé il y a quelques jours, en mais Est-ce que vous n'êtes pas surpris quand même qu'on mette la barre aussi bas 8 jours d'ITT 8 jours d'ITT, c'est quasiment rien, si vous le voulez. Excusez Moi, ce n'est pas un problème de huit jours d'ITT ou de 3 jours ou de 10 jours. C'est un, un, un problème de principe. Le type qui passe son temps à gueuler auprès de sa femme, sur sa femme, pardon, ou le type qui passe son temps à lever sa main voire même à la rabattre euh, sur sa, sa femme, peu importe euh, les conséquences physiques qu'il peut y avoir, ce type n'a pas le... La, 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 comment dire la, le, type, le, le mot n'est pas, pas juste, mais ça, ça vous montre l'état d'esprit dans lequel je suis. Euh, cette personne n'a pas l'équilibre qui est nécessaire pour euh, euh, participer à l'éducation d'un enfant. Donc, à minima, il se fait soigner, il se fait rééduquer, et après, il revient. De là, mmh. à le déchoir, l'autorité parentale, il y a une marge. C'est pour ça que je me suis battu euh, contre le fait que la déchéance, le retrait d'autorité parentale ou le retrait d'exercice d'autorité parentale euh, soit euh, automatique. Euh, et et j'ai réussi, et nous avons, enfin, nous avons demandé, et nous avons réussi à obtenir que ce soit sous contrôle d'un juge. Ne fût-ce que pour respecter les grands principes de la République, euh, article 34 de la Constitution seuls la loi et les juges peuvent retirer des éléments touchant l'état des personnes. Donc, il faut qu'il y ait un contrôle judiciaire. C'est parce qu'une femme se plaint d'avoir été battue qu'on va retirer l'autorité parentale à son mec. Euh, il faut qu'il y ait quand même des éléments et il faut qu'il y ait un débat judiciaire. Mais une fois qu'on a dit ça, ça oui. va se faire très vite et ça peut se faire bien. Merci beaucoup. Bah, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Euh, je pense que oui. Je pense. Oui, je pense que oui. oui. Théodore, oui. une question oui. Vous avez rapidement euh, évoqué là, justement le, les conditions de, du recueil de la parole de l'enfant. Vous entendez Ça ne marche pas Allez-y, allez-y. Euh, si. sur, sur la parole d'enfant, il on, on, y avait une personne qui demandait un peu où est-ce qu'on peut trouver du coup la, la méthodologie. Vous l'avez évoqué. Euh, je vous enverrai. Il faut que je ouais. retrouve. Je, je vous enverrai J'enverrai à Georges le, Cogniel les éléments. Oui. Et, euh, euh, les euh, et notamment je... les sites internet où vous pouvez trouver tout ça. Euh, ça ne pose pas de problème. Oui. Okay. Euh, C'est facile à trouver. Si moi j'ai trouvé, vous allez retrouver. Ok. Si euh, trouvera. Pour les personnes, en, pour, pour les enfants en situation de handicap, handicap psychique et, euh, et mental. Mais... Je ne suis pas très compétent. Je pense que chacune est enfin, Je pense que toutes les situations on a, euh, dont on a à connaître pardon, sont dans des situations handicapantes. Il euh, euh, y a de la violence, il y a du mal-être, il y a de la souffrance, enfin, etc. Ça crée un handicap. Tiens, je prends un exemple très concret. Moi-même, magistrat, quand je vais, ça m'est arrivé quand j'étais jeune, d'aller témoigner dans la propre cour d'assises où je siégeais d'habitude, j'ai perdu la moitié de mes moyens. Et quand la présidente m'a demandé mon âge, j'avais oublié. Bon, on va vous dire. et je siège avec elle en permanence voilà donc euh, euh, il faut qu'on soit attentif la communication c'est pas seulement bien communiquer bien parler c'est se, se préoccuper de l'autre et de se mettre à la place de l'autre pour voir ce qu'il comprend c'est pour ça que j'ai toujours euh, j'ai dire accepté qu'un enfant se fasse accompagner dans mon cabinet par qui il le voulait par quelqu'un en qui il avait confiance bon et qui était capable de trahir et tra de trahir ce que ressentait cet enfant et qui était capable de traduire à cet enfant, ce que le magistrat que j'étais disait. Okay. Les enfants porteurs de handicap euh, ont des difficultés euh, encore plus grandes euh, que d'autres, bien évidemment. Et euh, euh, malheureusement, euh, le nombre de, de situations de handicap étant tellement varié, euh, qu'il n'y a pas de méthode. Euh, donc, il faut à chaque situation euh, inventer quelque chose qui soit, qui corresponde à, à l'essence des choses, c'est-à-dire amener l'individu, par définition, la personne. C'est la différence par rapport à la chose, quoique la chose aussi exprime, des, exprime du ressenti. Hein. Quand vous ramenez une table d'Asie en France, c'est ce que me, mes beaux-parents m'ont démontré, le bois bouge. Mais même, même la chose peut émettre des sentiments. Alors, à fortiori, la personne. Donc, si vous considérez la, les enfants comme étant des personnes, par définition, ils ressentent des choses. Ils euh, et, et, et peuvent souhaiter exprimer des choses. Il faut les mettre en situation de le faire. Euh, ça peut prendre du temps. Il faut de la confiance. Il euh, euh, faut créer des conditions. Mais il faut aussi leur dire que euh, le poids de ce qu'ils vont, des conséquences de ce voilà, un élément important. Le poids de la conséquence de ce qu va, euh, ce qu'ils vont dire, pèsera sur l'adulte et non pas sur l'enfant. Moi, mmh. bon, je disais toujours aux gamins. Et euh, même ce juge, j'ai un truc important à vous dire, mais je veux pas que vous en parliez à qui qu'on. Je dis, écoute, chacun fait son boulot, hein. Toi, tu es la victime, moi je suis oui. le juge. Tu me dis ce que tu penses et moi je dis, te... je ferai ce que je pense. Alors fais-moi confiance, je vais essayer de faire quelque chose qui ne te nuise pas. Voilà. Maintenant, quoi J'en sais rien. Alors, euh, moi, sûr. je m'attendais parfois à ce que des gamins me révèlent des trucs à bras cadavran. Et ils me disaient Monsieur le juge, je vous ai vu à la télévision et vous me plaisez. Oui. Euh, bon. Et puis d'autres fois, ils me révélaient que papa ou maman avait fait telle ou telle chose, que la morale réprouve et le code pénal condamne. Voilà, bon, oui. Il... Mettre... Et, et parfois, Tiens, je vais prendre un contre-exemple. Je n'aurais pas de nom parce qu'on est trop nombreux, mais dans une situation que j'ai eu à connaître qui avait défrayé la chronique quand j'étais à Versailles, j'ai été amené à confier, euh, à maintenir euh, deux jeunes filles de 14 et 16 ans euh, dans la famille d'accueil qui les hébergeait depuis 3 ou 4 ans. Quand la mère euh, revenue de Grèce, euh, ayant, comme elle me disait, récupéré ses biens après le, la chute des colonels, voulait récupérer ses enfants. Et je dis, madame, on ne récupère pas des enfants qu'on me récupère des propriétés. Je peux vous aider à renouer une relation avec vos enfants, mais ça va prendre du temps, parfois même au-delà de la majorité, peut-être au-delà de la majorité, mais en tout cas, je vais vous remettre en situation de rétablir un dialogue. Cette femme a voulu aller plus vite. Je me suis battu contre elle, enfin, je me suis opposé à elle, et j'ai maintenu les enfants euh, dans la famille d'accueil. Trente ans plus tard, l'une des gamines vient me voir qui est devenue majeure et qui me dit, M. Rosenweg, oh, qu'est-ce que vous pensez de ma mère Je lui dis, c'était une salope. Bon, bref, euh, je vais juste donner mon point de vue. Euh, mais je lui dis, mais comment va la famille d'accueil Et là, elle me dit, pique-pendre, je comprends très vite, pique-pendre de la mère et pique vendre du père. Et là, je comprends. Elle me dit, mais on vous avait pas dit une chose, c'est qu'on passait à la casserole euh, tous les jours. Euh, je lui dis, pourtant, vous avez voulu rester chez eux. Il me dit, oui, parce qu'on avait, avait, avait un combat, ma sœur et moi, et la jeune fille avec qui on était, on souhaitait combattre notre mère qui voulait nous ramener en Grèce d'abord et ensuite mener le combat contre ceux qui nous avaient agressés. Et je lui ai dit, mais j'étais oui. sous la table. Pour moi, ça a été un combat de jeunes juges, un combat emblématique et j'en passe des meilleurs. J'ai mais j'ai fait des erreurs. Ah, dis ce c'est pas vous qui avez été mauvais, c'est nous qui avons été très bonnes. On mm -hmm. vous a menti. Mm -hmm. On vous a littéralement menti. Voilà, bon, on peut se faire avoir. Euh, je sûr. pense qu'il faut que, euh, non, enfin, je parle du magistrat. Euh, il doit créer un climat qui libère la parole et il doit ensuite mm -hmm. assumer ses responsabilités. Ça, ça doit permettre. La plupart on du on temps, accélère... on ne s'exprimer. Voilà. une oui. question. Vincent, une question, qu un petit peu dans le dans le même, euh, qui, qui peut rejoindre un petit peu ce que vous disiez. Je suis psychologue, j'ai le sentiment d'être de plus en plus souvent manipulé par des mères qui utilisent la violence du père pour avoir la garde de l'enfant en raison de la prudence bien entendu nécessaire, mais à cause de la lenteur de la justice. Et du manque de sanctions du parent ne respectant pas les droits de garde, l'enfant ne voit plus son père et finit rapidement par être convaincu que son père est maltraitant, alors même, alors même que toutes les enquêtes, qu'elles soient sociales ou, ou policières, ont infirmé cette violence. Qu'en pensez-vous Que faire pour accélérer, sanctionner, pour éviter ce type de situation Là, là c'est des questions qui mériteraient une journée. Voilà euh, de, bon, l'essence des choses. Euh, le problème majeur qui est posé, c'est la lenteur de la justice pour intervenir. Euh, euh, ce n'est pas normal qu'il faille un an ou 18 mois pour obtenir une audience devant le juge d'affaires familiales pour aborder le, le début de la question. Et pendant ce temps-là, euh, euh, la situation perdure et, et s'exacerbe, si vous le voulez. Alors, deuxièmement, comme, euh, comme le, le, s'y réfère bien la personne qui pose la question, c'est vrai il euh, y a euh, que les enfants, mais ce n'est pas aujourd'hui. Euh, même si la loi a essayé de, de rompre avec une, une vieille tradition, euh, les enfants sont euh, comment dire, instrumentalisés dans le cadre d'une séparation de, euh, des adultes, euh, bien évidemment. Euh, il y a aussi des parents qui sont perturbés. Euh, il y a aussi des parents qui sont menteurs. Il y a aussi des et on va voir des, des, des parents qui vont utiliser le juge pour enfants contre le juge aux affaires familiales, euh, quand les deux compétences ne sont pas les mêmes. Bon, donc, je pense que le, la, la question recèle de, 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 vrais, de, de vrais problèmes, de vrais, de, de vrais dysfonctionnements avec euh, des situations de fait qui vont se créer. Euh, on va voir euh, des, euh, des situations dans lesquelles on va continuer à imposer euh, à un enfant euh, de voir euh, son père euh, ou sa mère maltraitante, comme à l'inverse, on va voir des gens être accusés faussement d'être maltraitants dans le cadre d'un conflit entre adultes. Voilà, il y a toutes les situations possibles et inimaginables. Pour s'en sortir, il faut se doter de dispositifs sur l'ensemble du territoire, pas sur un territoire, mais sur l'ensemble du territoire. Donc on voit les moyens que ça exige en personnel, en compétences, en financement, enfin j'en passe et des meilleurs, pour effectivement intervenir systématiquement et intervenir le plus rapidement possible pour essayer de dédramatiser des, des, des situations. J ai, j ai, je ne peux pas aborder le sujet, mais ça mériterait avec vous qu'on l'aborde. Mais un des grands enjeux de la conjoncture actuelle, c'est que tous les services de proximité aux familles les plus fragiles sont en train de s'étioler actuellement. La protection maternelle et infantile, le service social scolaire, le service de santé scolaire, la psychiatrie infantile, la pédiatrie. Euh, bon, donc, on a de plus en plus des familles qui. Et je rejoins la question, des familles qui sont renvoyées à elles-mêmes pour gérer leurs problèmes. Et la violence s'appelle la violence. Euh, la, la, la violence de certaines situations euh, appelle de la contre-violence et à un moment donné les enfants qui sont au milieu euh, j'allais dire euh, ils reçoivent des coups de partout euh, et, et on, on, on le sait tous euh, que c'est on le sait tous enfin on le sait on est beaucoup à le savoir malheureusement pas tous euh, que il, quand un couple éclate euh, il faut j'allais dire ménager les enfants dans, dans ce contexte là et j'allais dire, euh, euh, certes, euh, un homme et une femme ont le droit de plus s'aimer, enfin, ou deux hommes et deux femmes, puisque maintenant ça devient compliqué, euh, ont le droit de plus s'aimer. Et pour autant, euh, ils doivent être dans une situation de responsabilité euh, en continuant euh, à, à préserver l'image de l'autre euh, aux yeux des enfants. Beaucoup de gens le font. L'immensité des, des gens arrive à le faire. Malheureusement, mmh. un certain nombre de gens ne peuvent pas faire, ne le veulent pas, et instrumentalisent l'enfant euh, dans le cadre de leur combat personnel contre celui euh, ou celle euh, qui a pu euh, euh, soit les maltraiter, soit avec qui il ne peut plus s'entendre. C'est une réalité. Alors prendre... moi, à cette réalité-là, la seule chose que, que je puisse répondre, ouais. c'est intervenir le plus sûrement possible, le plus rapidement possible, et euh, avec parfois des, un accompagnement euh, pour l'enfant, euh, parce qu'il ne suffit pas de prendre une décision, il faut aussi euh, veiller à sa mise en œuvre. Ok, merci beaucoup. Encore Mais... une question de Théodore oui. ou Vincent, puis Robert peut-être aura une question à poser aussi. Okay. Une question un peu générale sur la formation des juges qui interviennent auprès des enfants, et savoir aussi justement si les juges des affaires familiales et les juges pour enfants ont parfois des échanges de leur expérience pour justement éclairer les pratiques des uns et des autres, non seulement sur les questions de, de mal on, 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 on vient, On vient de très très loin, et d'un autre côté, euh, j'allais dire... Euh, euh, il faut que les, les magistrats continuent à faire, à faire, à faire du droit, et, et chacun dans son créneau. Dans, euh, 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 le juge pour enfants n'exerce pas la même mission que le juge d'affaires familiales. Le juge d'affaires familiales, sa mission, ça consiste à dire qui est en situation d'exercer des responsabilités au sein de la famille, euh, quel que soit son mode de construction. Le rôle du juge pour enfants, c'est de garantir que ceux qui sont en situation de responsabilité exercent bien leurs responsabilités. Le juge de famille est un juge de base, le juge des enfants est un juge d'exception. Voilà. Donc, il faut qu'ils échangent entre eux, il faut aussi qu'ils échangent pas seulement en théorie, mais qu'ils échangent dans les procédures, pour être en cohérence. Et là, le procureur de la République a un rôle à jouer pour garantir cette cohérence. Alors, pour répondre maintenant au début de la question sur la formation, elle est sûrement insuffisante. Euh, des efforts ont été faits euh, pour, euh, euh, j'allais dire, mieux former les juges pour les, les magistrats quand ils vont être juges pour enfants. Je vous rappelle aussi le turnover. Hein, il y a beaucoup de, de magistrats qui ne restent pas très longtemps pour être... Moi, je suis une exception. Hein. Je n'ai été que juge pour enfants. Vous l'avez vu sur ma, ma première page. J'ai facilité l'épitaphe de ma femme pour mon, en, pour mon, mon enterrement. Mais euh, en moyenne nationale corrigée brute, les juges pour enfants restent deux ans, deux ans et demi. Et ensuite, ils vont être ça. juges correctionnels, ils vont être parquetiers, ils vont être ceci, cela. Voilà. Donc, euh, euh, il faut euh, que les, les, les magistrats soient, euh, qui sont appelés à exercer les missions de juge pour enfants euh, soient formés, j'allais dire, euh, au sens social et au sens humain, qu'ils soient, qu soient formés aussi euh, à l'organisation du dispositif de protection de l'enfance. Euh, pour dire les choses très crûment, c'est ce que je disais à tous les auditeurs de justice et les élèves magistrats que je recevais, tu dois toujours, vous devez toujours vous poser la question, pourquoi cette affaire me tombe aujourd'hui sur le coin de la gueule Où est-ce que ça a dysfonctionné pour que ça arrive chez moi Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on attend de moi Si tu n'arrives pas à te déprogrammer, tu vas faire n'importe quoi. Voilà. Donc ça veut dire bien connaître son secteur, bien savoir pourquoi telle institution a fait un signalement, pourquoi qu'est-ce que cette institution attend du juge et deuxièmement, euh, une fois qu'on s'est libéré euh, de, cette, euh, de cette pression qui, euh, qui, qui s'impose, euh, euh, trouver des alternatives dans les réponses. Euh, parfois, la réponse qui est préconisée est la bonne, mais parfois la réponse qui est préconisée n'est pas la bonne. Donc il faut que le, le juge pour enfants ait une connaissance des sciences sociales, des sciences humaines, euh, et, et, et notamment dit euh, à des psychologues qui... Qui, qui, qui sache dialoguer avec les uns les autres. L'un euh, de mes meilleurs euh, amis, euh, vous le connaissez, euh, c'est Pierre Verdier, qui est psychologue. Euh, on fait souvent des formations ensemble. Euh, lui, le psychologue, fait toute la partie juridique et moi, le juriste, euh, je fais la dimension humaine. Voilà. Euh, il a acquis des choses juridiques et moi, j'ai acquis d'autres dimensions. Mais on a un point commun c'est qu'on est tous très performants sur la culture des institutions dans lesquelles se développe la protection de l'enfance. Une et la protection d'enfance n'est pas une protection administrative ou une protection judiciaire. C'est une protection familiale, une protection médico-sociale. Et là, tous, autant que nous sommes, nous sommes lacunaires. Oui, non, mais bon, ben, merci Georges de me passer la parole, mais je ne la prendrai pas à la place des nombreuses questions. Je veux dire, c'est vraiment euh, une avalanche de, de questions euh, qui ont été posées, toutes aussi pertinentes. Ben, s'ils sont pas... frustrés, c'est qu'on a, c que j'étais très bon. Hein. Mais oui, mais plus mais... il y a de la frustration, c'est la, bon. la, la, une évidence. Mais Alors, tant mieux, euh, on non, la, la, la question, elle est un petit peu no, notre prétention à avoir. À, à et vous y êtes prêté à vouloir couvrir cette problématique, moi, j'oserais simplement vous poser à vous une question. Jean-Pierre, est-ce qu'on peut construire une formation de un ou deux jours avec vous et d'autres personnes autour de cette question du psychologue et de la justice vis-à-vis euh, euh, -vis des enfants Je crois que ce serait nécessaire d'après le, le, le volume de questions qui est arrivé. Pas forcément que des psychologues d'ailleurs ça serait ouvert à d'autres professionnels mais voilà l'idée c'est que on puisse construire une formation de deux jours avec moi, Pierre Verdi, avec vous avec d'autres intervenants voilà avec d'autres je sais pas parce que je suis le meilleur mais bon euh... non mais si vous êtes disponible ah ben non, tout à fait non mais genre, bon. euh, genre je le sais je, je, je le pro oui, les oui. proposons pierre et moi pierre Verdier et moi on, on le propose depuis des années à tous ceux qui le veulent on a formé aussi déjà beaucoup de gens mais il faut réactualiser en permanence ce qui me paraît important, mmh. si vous le voulez, pour aller au cœur, Robert, de votre préoccupation, je pense qu'il faut le, comme le juge, il faut que le psychologue sache euh, ait une culture de l'ensemble du dispositif oui. de protection de l'enfance. Euh, non pas bien sûr qu'il soit au top niveau, mais qu'il soit, j'allais dire, qu'il ait une culture, euh, en théorie, euh, en général, et en particulier sur le terrain sur lequel il doit intervenir. Et à partir donc, il faut le présenter. Présenter le dispositif de protection de l'enfance. C'est quoi les responsabilités parentales C'est quoi le dispositif médico-social de soutien à la parentalité C'est quoi l'aide sociale à l'enfance C'est quoi la justice C'est quoi le statut juridique des enfants Quand vous êtes au clair sur ces cinq composantes-là, vous pouvez vous poser la question qu'est-ce que moi, psychologue, je peux faire on, on va faire oui. cette formation. Si je peux contribuer avec vous à Absolument. monter ce type de Absolument. formation, oui. mais, mais ça prend plus d'une heure. Voilà, la non, non, mais c'est oui, une formation de, de deux ou trois jours. Ah, euh, mais moi, je suis… Pour, hein, ça un ça problème de bien temps. Et voilà. On fera un succès mondial, hein, enfin <laughs> Bon, et, et on ne va pas oublier de signer. Je l'ai déjà fait, la pétition, et je te laisse… Ben, la je vais regarder tout de suite. Quand je, vous ai, quand je suis arrivé, j'étais à 845. Je vais voir si ah, je suis à 1545. <laughs> Dites, euh, j'aurais une dernière des questions, mais qui est trop vaste. Hein, je vous la pose quand même. Et pour vous, quelles seraient les, les évolutions de la loi à court terme pour euh, parfaire les, les, la protection de l'enfance, des droits de l'enfant Qu ben quoi il faudrait aller oh ben la, réponse à, la réponse elle est Une très réponse très simple. J'arrête pas de la, dé, de la développer, je ne suis pas entendu. La première ligne de protection de l'enfance dans notre culture, hein, j'ai oui. dit plutôt, euh, judéo dit aux mais enfin, pas, pas, pas. La première ligne de protection, c'est la protection familiale. La question qui est posée... C'est qui, aujourd'hui, euh, exerce des responsabilités familiales. Alors d'abord, il faut passer de l'autorité à la responsabilité. L'autorité, c'est du pouvoir. C'est du oui. pouvoir euh, qui s'exerce au regard de certaines missions. J'ai des missions, j'ai le pouvoir pour exercer ces missions, donc je suis responsable. Qui est responsable et en quoi sur l'enfant Au sein de la famille. Avec les familles modernes. Je vous rappelle que 2 millions d'enfants vivent avec un beau-père et une belle-mère. Donc, ça fait 2 millions d'enfants, 2 millions de pères, 2 millions de belles-mères, 2 millions de beaux-pères et de belles-mères. Ça fait 8 millions de personnes sur 65 millions. Ça fait 12% de la population qui sont concernées. Qui est responsable euh, euh, sur les enfants Les gamins disent dans mon cabinet, quand leur beau-père veut intervenir, « Tais-toi, tu n'es pas mon père. » Non, je ne suis pas ton père, mais j'ai des responsabilités à ton égard. Donc, pour répondre à votre question, la première des choses qu'il faudrait faire, c'est, petit 1, clarifier que, euh, qui fait quoi au sein de la famille en termes de responsabilité. Et deuxièmement, c'est passer du concept d'autorité, de le pouvoir sûr, au concept de responsabilité à l'égard d'eux. Mmh. J'ai des responsabilités à l'égard d'une personne. C'est facile à écrire. Je l'ai écrit dans le rapport que vous avez cité tout à l'heure. Nous l'avons oui. écrit euh, euh, dans le rapport de 2014, qui est facile à lire. Hein. Ce sont des pages techniques. Euh, on part d'un constat en quelques lignes et on fait des propositions en quelques lignes. Bon, les politiques ne l'entendent pas. Ils ont été à deux doigts de le faire en 2014. La loi malheureusement, la loi API, euh, autorité parentale et intérêt de l'enfant, c'est cassé la figure. Euh, J'essaye de le suggérer aux parlementaires et à tous les gens que je rencontre. Euh, pour l'instant, ça. Et c'est la base. Euh, Excusez-moi, oui. je, je suis peut-être trop au troisième degré par rapport à votre question. Comment voulez-vous faire votre intervention s'il n'y a pas non, une planche sous les pieds communes, une planche commune sous les pieds de bien chacun hum. Comment voulez-vous mobiliser des personnes sur leurs responsabilités à l'égard des enfants, s'ils n'ont pas été identifiés publiquement comme ayant des responsabilités. C'est le gamin. Je prends cet exemple que j'ai en tête, euh, euh, qui est majeur. Que je vois dans mon cabinet avec sa copine et l'enfant, le, et je lui dis Est-ce que tu as reconnu ton gosse Non, je ne l'ai pas reconnu parce qu'elle ne veut pas que je le reconnaisse. Je dis Mais oui. comment tu peux exercer tes responsabilités tous les jours si tu n'as pas établi le lien juridique Tu vas à la mairie, tu reconnais ton gosse elle ne veut pas. tu lui dis « tu rien à cirer, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas. Tu as un droit Bien et sûr. un devoir de t'établir comme père. Et une fois que tu seras établi comme père, ben, tu auras peut-être besoin d'un psychologue pour t'aider. C'est juriste. Donc, si demain, on peut... On va s'arrêter des... là. Je on vous remercie à... des... à... encore. Ça, ça un plaisir. Hein. Oui, on vous remercie parce Et que, regardez... On peut l'économie, de... déjà, commencer par lire de... les bouquins que je vous ai présentés. Exactement. On a une grande partie... majorité de participants qui sont encore là avec nous, alors qu'on a dépassé largement le temps. Et donc j'annonce le, le prochain webinaire qui sera dans un... complètement différent, ça sera le mardi 21 mars. Hein, 21 mars dans deux semaines, le génie des 10, c'est tout un, un titre, hein, ça, HPI et troubles 10 sont-ils liés avec Michel Habib, que nous connaissons, neurologue au CHU de Marseille. Bon, à tous, hein, on vous remercie encore tous. Hein, et on sur, sur le sujet qui est le monde, si éventuellement en fait. vous voulez dans quelques semaines ou quelques mois en programmer un autre, mais en partant des questions que vous, vous avez posées, non plus de vos questions. Bien. Euh, on fera fromage et dessert. <laughs> Exactement. Et eh on n'hésitera pas. Bon, allez, je veux 444 monde, signatures remercie... dans 5 minutes. Hein. <rire> <rire> à bientôt. On remercie ouais. notre intervenant, évidemment. On remercie Vincent, euh, Théodore et Robert Voïsopoulos pour leur participation. Et puis tous, tous les participants qui sont restés si tardivement avec nous. On vous dit au revoir et on espère vous voir. Euh, Très bientôt, dans deux semaines. Évidemment, vous retrouvez sur le site appea à partir de demain la, la vidéo de, de cette intervention et le PowerPoint et tous les éléments de, de lien pour pouvoir justement signer la pétition. C'est sur change.org, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Merci à tous. On vous dit au revoir à tous. Oui. Merci, Merci beaucoup. Merci. Au, revoir au, revoir à tous. À tous. au revoir à tous. Au revoir. Au revoir à tous. Ouais. Merci.